Bon bah allez, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Détection militaria. Bon bah, première trouvaille. Bouchon d'obus. Voilà. Bon bah, je donne un petit choix comme ça. Et après je vais aller par là-bas. Bon bah allez, on se retrouve à la prochaine trouvaille. Bon bah allez, là, avec le petit détecteur. Petite cuillère US à soupe. Bon, elle est cassée là. Puis dans cette haie là, j'avais trouvé un ceinturon. Enfin, je vous mets une photo là. Et des balles de. Des balles de fusil M1. Voilà. Donc, c'est pas mal. Je vous mettrai aussi les balles que j'ai trouvées. Bon, bah, voilà. On se retrouve pour le prochain son. Bon allez, là, prochain son, ça, je sais pas du tout ce que c'est, si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Bon bah là, on se retrouve au prochain son. Bon bah voilà, là, à chaque vidéo que je fais, je trouve une grenade. Et bah voilà, j'ai fait ma première vidéo détection numéro 1, une grenade, la deuxième que j'ai tournée ce matin, une grenade, et la troisième que là, je suis en train de tourner, une troisième grenade, et bien sûr pleine. Hein. Oh la vache, ah bah il y en a eu pas mal. Hein. Je vais la mettre là pour l'instant. Je viendrai la rechercher, je sais pas quand. Je vais la mettre là, puis elle l'aille. Ah voilà, à l'arbre là-bas. Voilà, il faut pas être trop y toucher, hein, mais bon. Voilà, juste porter comme ça. Il n'y a plus le détonateur. C'est encore dangereux, mais beaucoup moins que s'il y a encore le détonateur, la goupille et tout. Donc voilà. Donc on se reprend si je refais une trouvaille. Bon, et puis à côté, ça sonnait ferreux. J'ai regardé juste à côté de la grenade. Dans le reste du détonateur. Mais là je veux pas y toucher parce que ça peut exploser. Ah, il reste encore. C'est pas l'appel quand même. Bon. Bon on se retrouve quand je suis sorti. Bon bah là je suis content parce que normalement, généralement sur les grenades qu'on trouve en détection, les goupilles et le détonateur est pourri quoi. Puis là, non, il reste bah, les bouts de la hanse là, le déto et la goupille. Voilà, la goupille est encore bien restée. C'est pas mal parce que non, normalement tout est pourri quoi. Et bon voilà. Bon bah c'est bien. Allez, salut. On va aller là. On l'appelle. Petit éclat de vue. Puis il reste encore les marquages. C'est sympa. Bon, depuis tout à l'heure je fais que d'en trouver, du coup ça devient chiant. Puis par contre ça sonne bien, ça sonne presque comme une grenade ou comme une balle. Alors voilà. Allez, salut. Bon, allez là. Après la grenade. 4-5 mètres après la grenade, dans un beau trou, ça, vous savez, ça pour mettre les obus, pour porter les obus, ceux qui s'y connaissent, vu que c'est pourri, je reconnais pas trop, mais je vous mettrai une image. Il y en a un, et d'en avoir un deuxième par là-bas. Bon, bah, je vous reprends dès que j'ai sorti. Bah, il y en avait un deuxième, mais en morceaux, puis là, ceinturon US. Bon, c'est pas mal, et ce qui est con, c'est que c'est cassé. Puis ça, là, le petit bout là, c'était là comme ça, posé dessus. Je me suis dit, bon, tiens, un petit bouton. Puis là, dans le fond, ah, mais il doit encore en avoir. Là, je suis content. Regardez dans le fond là. Donc, bon, je vous reprends dès que c'est sorti. Bon, bah voilà, l'œuf l'a sorti. Oh, j'en ai chié. Oh la vache. Oh, il était sous la racine là. J'arrivais pas à le bouger. Oh la vache, il était dur. Il était dur. Je crois que ça sonne encore. Pas sûr.
J'ai rallumé le détecteur, ça fait bien une heure que j'y suis. Parce qu'il y avait un ceinturon, deux trucs comme ça. Hop. Ah, bon. Soit il y en a un troisième, soit bah, c'est les petits bouts qui restent. Bon bah je vous reprends dès que c'est sorti. Bon, bon bah voilà, j'ai fini le trou là-bas. C'était ça qui était. J'ai fait un gros trou, il y a bien 1m20 avec la pelle dedans. Encore, j'ai recommencé à reboucher. La pelle vient là. Oui, il y a bien 1m20. Bon, j'ai fait deux porte-obus là. Deux trucs pour porter les obus. Ça, je pense que c'est un éclair. Je pense que je sais plus. La grenade qui est pleine, le petit ceinturon. Voilà le petit ceinturon, la petite grenade. Faut pas trop y toucher, mais bon. Puis le truc qui est en lambeau. Tac. C'est comme ça. Bon, ça c'est complètement pourri, mais bon. Bon, moi ça va être la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez. Puis demain, je vais aller refaire un petit peu de détection. Par là, le champ à côté, je pense. Et je pense que je vais refaire aussi de la grenade. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.